Marinetti est un drôle de personnage, intellectuel et fasciste, bon époux, bon père, fils affectueux. C'est un Italien qui fait ses études chez les Jésuites au collège Saint-François-Xavier à Paris. C'est un ami affable et poli, mais en même temps, ce personnage est le théoricien de la brutalité généralisée. Il écrit des poèmes, il écrit des romans, il fédère autour de lui un tas d'artistes, d'art qui a été oublié par le futurisme. Vous avez un théâtre futuriste, vous avez un cinéma futuriste, vous avez une cuisine, une musique, etc., etc. Des bruitistes qui donneront par la suite ce qu'on appelle dans l'histoire de la musique contemporaine la musique concrète. Ça a produit vraiment des effets partout, le futurisme. C'est aussi un compagnon de route de Mussolini, très concrètement, dès le départ, c'est-à-dire le Mussolini d'avant la prise du pouvoir, et le Mussolini qui deviendra le Duce, il sera compagnon de route du Duce au pouvoir. Il y a une influence de Bergson et du bergsonisme dans le futurisme, elle est revendiquée comme telle. Alors il faut faire attention, il y a aussi des gens qui se sont réclamés de Nietzsche de manière indue. On peut imaginer que Bergson n'aurait pas évidemment apprécié ce que Marinetti et Lessien ont pu faire de lui. Ceci dit, il était contemporain, il aurait pu faire savoir ce qu'il en pensait, il n'en a rien dit, bien que sachant qu'on utilisait son travail. Et puis vous verrez, il y a des textes oubliés de Bergson, mais des textes qui rendent possible un compagnonnage avec la pensée brutale de Marinetti. Il s'empare d'un concept de Bergson qui s'appelle l'élan vital. Difficile de saisir la nature de cet élan vital. C'est une espèce de force qui est présente dans tout ce qui est vivant et qui conduit le vivant vers une espèce de perfection de lui-même. C'est ce qui permet la perfection, l'être et la perfection dans l'être, si vous voulez, l'élan vital. Et Bergson nous dit que l'élan vital est partout, insaisissable, indémontrable, et qu'on peut effectivement mobiliser pour envoyer les soldats au combat en sollicitant plutôt l'élan vital du soldat que son intelligence ou que sa raison. Frotté de Bergson, il est aussi de Georges Sorel, un cher bourgeois, philosophe politique, cher bourgeois, auteur de « Réflexions sur la violence », qui est un texte qui a joué un rôle considérable auprès de Lénine, auprès de l'anarcho-syndicalisme également, auprès des bolcheviques et puis auprès des fascistes. Et Sorel a écrit un éloge de la violence. Il nous fait savoir que la violence est nécessaire pour l'accouchement de l'histoire et qu'il ne saurait y avoir d'accouchement de l'histoire sans la violence. On pourrait lui rétorquer que la force est une violence qui sait où elle va et que la violence est plutôt une force qui ne sait pas où elle va, mais il n'y a pas de ces considérations subtiles chez Sorel, qui est aussi un pragmatique au sens philosophique du terme. C'est un lecteur des philosophes anglo-saxons qui pense effectivement qu'il n'y a ni bien ni mal en soi, mais du bon et du mauvais relativement à ce qu'on se propose de réaliser. Et il écrit, Marinetti, un texte qui s'appelle « Le futurisme avant, pendant, après la guerre » et il dit avoir mis son mouvement au service de la propagande belliciste et patriotique contre la Triple Alliance. Il a fait le coup de poing contre les partisans de l'Autriche. Il a bataillé contre l'Empire austro-hongrois et il a fondé également un parti politique futuriste. Après-guerre, il contribue à la création des réseaux fascistes et participe au combat de rue, des actions brutales et violentes menées par les milices fascistes qui, à l'époque, ne sont pas encore au pouvoir. Quand Mussolini est encore sur des listes, eh bien, Marinetti l'accompagne dans l'opposition. Et puis, il arrive au pouvoir, vous connaissez l'histoire, et à ce moment-là, il continue son compagnonnage. En 1929, Marinetti rentre à l'Académie fasciste. Dans les années 30, il participe au comité d'épuration fasciste qui condamne des livres écrits par des juifs. Et puis, il célèbre les guerres du régime fasciste, la conquête, l'impérialisme, les actions militaires. Et il propose en 1936 de s'engager dans la guerre d'Éthiopie, que l'Italie mène à l'Éthiopie. Et il a pourtant, à cette époque-là, 60 ans.